Je m'appelle Florian Mérien, je fais du paratennis de table ou du tennis de table en e-sport. Je viens de la région Normandie et plus particulièrement de la Seine-Maritime. Ouais, cette salle, c'est là où je suis rentré pour la première fois où j'ai fait du tennis de table. Ça fait 29 ans, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Mais j'avais 10 ans, on m'a proposé de faire plusieurs sports et notamment le tennis de table. Moi, j'ai eu la chance d'être bien intégré un peu partout à l'école ou voilà dans le monde valide. Donc ça posait pas de soucis pour moi de venir faire du ping-pong avec les autres. Et puis j'ai été bien accepté et ça s'est bien passé. Et voilà, je fais toujours partie de ce club. On a un sport qui est très inclusif dans le tennis de table. C'est-à-dire que les garçons peuvent jouer contre les filles, les enfants peuvent jouer contre les adultes et les handicapés peuvent jouer contre les valides. Les tables sont à la même hauteur, les balles sont les mêmes, les raquettes sont les mêmes. Donc ça permet vraiment d'être en inclusion totale avec les valides. Saint-Aubin, ça reste l'endroit de toute ma jeunesse, même si moi je vivais à Grand-Quevilly. Mais dès qu'on avait un peu de temps, on partait. C'est un lieu où j'ai grandi, où je me suis fait des milliards de potes. En Normandie ou en Seine-Maritime, en tout cas, il y a de super beaux endroits et on sait accueillir. C'est quand même la plus belle plage du monde, forcément. Et les couleurs sont magnifiques, les falaises. On est une des seules plages de sable du coin, en tout cas. Moi, je suis un pur Normand, évidemment. Je défends à 100% ma région et mon territoire. Ouais, c'est quelque chose d'important pour moi. La Caisse d'Épargne m'accompagne depuis les Jeux de Tokyo, la fin des Jeux de Tokyo en tout cas, donc sur cette Paralympiade parisienne. Voilà, c'était un énorme soutien et qui perdure. C'est une relation vraiment très très humaine. Évidemment, il y a le sport, évidemment, il y a le côté financier pour moi où la Caisse d'Épargne m'aide énormément, mais il n'y a pas que ça. On fait plein de choses, ça peut être des sensibilisations au handicap, ça peut être des conférences, ça peut être faire découvrir notre sport. Je trouve ça vraiment sympa de pouvoir construire sur du long terme. Donc c'est ce qui se passe avec la Caisse d'Épargne Normandie et j'en suis ravi. Alors moi pour Paris, ce seront mes 5e jeux déjà. J'ai participé, j'ai eu une médaille d'or à Pékin en 2008 et après j'ai eu 3 médailles de bronze, une à Londres, une à Rio, une à Tokyo. Donc 5e participation, la chance d'avoir les jeux à la maison. Évidemment, ça va être extraordinaire ces jeux et on sait qu'on va avoir du soutien. Tout le monde est à fond derrière les Français, peu importe qui c'est, la discipline, on s'en moque. En fait, on veut juste que les Français gagnent. On sent qu'il y a quand même un petit truc en plus qui va faire que ça va être encore plus magique, je l'espère.